Berrizere gaur beste behin ere kopuru handian bildu gira, milaka eta milaka gira lagun gaur bilduak. Madrileri eta Pariseri bake justu eta iraunkor baten baldintzak, orain presoen auzieri aterabidetik pasako dela ozenki adierazteko. Lurralde oso baten gehiengoaren nahia eta bide hori makila eskuan bururaino eramaiteko determinazio osoa berretsi dugu. Bakotxak bere tokitik, bakotxa ardura politikoz, Euskal Hiri Elkargoak abenduaren 14ean aho batez onartutako mozioak erakutsi zuen bezala. Aujourd'hui encore, nous sommes nombreux à nous être rassemblés pour dire à Paris et à Madrid que les conditions d'une paix juste et durable doivent passer par la résolution de la question des prisonniers politiques basques. Merci à vous, toutes et toutes. Nos applaudissements les plus chaleureux. Nous avons affirmé la détermination de tout un territoire, et ce, le maquila à la main. Nous sommes déterminés, chacun depuis notre sphère d'influence, chacun avec notre responsabilité politique, à aller jusqu'au bout, à libérer tous les prisonniers et prisonnières, comme le démontre la motion adoptée le 14 décembre dernier à la majorité par la communauté d'agglomération Pays Basque. Je laisse la parole maintenant à Cotier et Sénaro et Maïder Béotegui, vice-président et vice-présidente de la communauté d'agglomération Pays Basque. Bilesker Roussieri, gure deialdadien izantzunik, erantzunik. Iaz, milaka izan ginen, jadanik, ez alat, ez unat, zen egoeraren desblokeatzea aldarrikatzeko. Mobilizazio handiak elkarrizketen berrabiatzea ahalbidetu zuen eta 2019 urtean zehar urrats garrantzitsuak burutu ahal izan ziren. Presoen urbilketarekin eta DPS estatutuaren kentzearekin lehen fasea bukatzekotan gara salbuespeneko neuriekin bukatzen duena. Baina, helburua urrun dugu oraindik. Zigorren aplikaziorako epaileek Euskal Herriko testuinguru politiko berria barnetatu eta Txistor Aranburu, Lorenza Beiri edo Ibon Fernandezekin egin duten bezala baldintzapeko askatasun eskaeri baikorki erantzuten hasi badira ere gobernuaren ardurapean den ministro publikoak erabaki sistematikoki elegitea ezartzen die. Deus ere ez dela aldatu argudiatuz Euskal Herriko intelentzia iraintzea da hori. Egun, Baionara, manifestatzera etorri bagara, Ministerio Publikoaren jarreraren aintzinean gure kesua agertzeko eta gobernuari gai honekiko jarreraldea dezan galdetieko izan da. Lurralde baten bake borondateak eta batez ere borondate ogi agertzen duten ekintzek. Mendeku espiritua eta iraganean kokaturik gelditzeko tentazioa gainditu behar dute. Etapa berri bat ireki behar da. Egiteko gelditzen zaigunak ez digu egin dugun bidea ahantzarazten, badakigu hori baloratzen. Baina, bururutirikoak berak ez du egiteko gelditzen zaigun bidea kukutu behar. Presoak dauden artean, ez da bake prozesu iraunkorrik izaten ahal.
munduan zehar izan diren gatazken konponbiderako mekanismo guziek, prozedura berritzaileen bidez presoen askapena ahalbidetu dute. Euskal Herrian, zentzu horretan doan, transizioko justizia gisako bat plantan eman behar da, biktima guzientzako justiziarako egia jakiteko, erreparaziorako eta gertatutako errepikatuko ez den segurtamenerako eskubidea bermatuko duena. Bigarren fase horrek preso guziei kartzela ez den beste perspektiba bat eskaini behar die. Bake prozesua burua eramenen ez den artean, euskal gizartearen engaiamenduak beren segituko du. 2019ko maiatzean, Macron presidenteak ondokoa jarri zuen. Euskal Herria eredugarria da niretzat gatazkaren kopon bidean eta armetatik ateratzeko bidean. Estatuaren bete beharra da mugimendua sustengatzea. Ez da historia errifikarazazi behar lagundu behar da. Itze derren argula ez da sinesten dutena erran dituen arena baizik. Gaur, Baionan, Macron jaunari erran behar diogu itza itz. Ez dezagun historia errifikaraz. Orain itzetagetik itzetagatik ezintzerakatara pasadadin itxoiten dugu. Baionan, zein bimbo kesu bera, deliberamentu bera, ambizio bera, adieraziko dugu. Katu. Gure herriak gaztakaren ondorioz sobera sufritu du. Gure urratsak bake prozesu berean parte izatea nahi dugu. Gure mezua Frantziako Errepublikako presidentea den Emmanuel Macron jaunari zuzentzen zaio, ez dezagun historia errifikaraz orain presoak eta altxatu makila, altxatu makila, aupa zuei! Déjà là, des milliers, l'année dernière, pour faire débloquer une situation qui s'enlisait. La forte mobilisation avait permis la reprise du dialogue et des pas importants ont pu être réalisés tout au long de l'année 2019. Avec le rapprochement des prisonniers et la levée des statuts des PS, nous sommes quasiment au bout de la première phase, celle de la fin des mesures d'exception. Mais nous sommes encore loin du but. Si les juges d'application des peines commencent à intégrer le nouveau contexte politique du Pays basque et à répondre favorablement aux demandes de libération conditionnelle, comme pour Chistor Arambourg, Lorraine Chabeyri ou Ibon Fernandez, le parquet, qui est sous la responsabilité du gouvernement, fait systématiquement appel, considérant que rien n'a changé. C'est une insulte à l'intelligence collective du Pays basque. Nous sommes aujourd'hui à Bayonne pour manifester notre colère face à l'attitude du parquet et pour exiger du gouvernement un changement de position sur ce sujet. La volonté de paix d'un territoire et surtout les actes qui traduisent cette volonté doivent l'emporter
sur l'esprit de vengeance et la tentation de rester enlisé dans le passé. Une nouvelle étape doit s'ouvrir. Ce qui reste à faire ne nous fait pas oublier le chemin parcouru que nous savons valoriser. Mais ce qui a été réalisé ne doit pas non plus occulter le chemin qui reste à parcourir. Il n'y a pas de processus de paix durable avec des prisonniers en prison. Tous les mécanismes de résolution de conflits à travers le monde ont permis la libération des prisonniers par la même mise en place de procédures innovantes. C'est dans ce sens qu'une forme de justice transitionnelle doit se mettre en place pour le Pays basque, qui veillera à garantir le droit de toutes les victimes à la justice, à la vérité, aux réparations et aux garanties de non-répétition. C'est cette seconde phase qui offrira à tous les prisonniers une perspective autre que la prison. L'engagement de la société basque ne faiblira pas tant que le processus n'ira pas jusqu'à son terme. Le président Macron a déclaré à Biarritz en mai 2019 « Le Pays basque est pour moi un exemple de résolution, de conflit et de sortie des armes. Le devoir de l'État est d'accompagner le mouvement. Nous ne devons pas faire bégayer l'histoire, il faut l'accompagner. » Les belles paroles n'engagent pas que ceux qui y croient. Elles engagent aussi et d'abord ceux qui les ont prononcées. Aujourd'hui à Bayonne, nous disons au président Macron « Itza Itz, ne faisons pas bégayer l'histoire. » Nous attendons maintenant qu'il passe de la parole aux actes. Ici à Bayonne, comme à Bilbao, nous exprimerons la même colère, la même détermination, la même ambition. Notre pays a trop souffert des conséquences du même conflit. Nous voulons inscrire nos pas dans le même processus de paix. Notre message en France est adressé au président de la République, Emmanuel Macron. Ne faisons pas bégayer l'histoire. Orain Prechoak.